Bonjour et bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast saison 2. Je suis Mathieu Lambert et je suis accompagné de Maxime Prémaux et Rémi Dutch. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement pour les jeunes coureurs, cadets et juniors. Mais avant, pour ceux qui auraient peut-être loupé le lancement, on a sorti la semaine dernière une formation sur la nutrition pendant l'effort. C'est une méthode complète pour vous rendre indépendant et autonome dans la construction de vos stratégies de nutrition. On parle glucides, choix du ravitaillement, hydratation, caféine, crampes. Je rentre dans le détail de la physiologie, mais la formation est quand même très axée pratique. Le but, c'est de transmettre du concret pour optimiser vos performances. Pour découvrir nos formations, c'est le premier lien dans la description. Allez voir, on a aussi sorti au mois d'avril une formation pour vous permettre de mettre en place vos tests de lactate. Et dans le futur, on a vraiment pour projet de développer notre catalogue de formations afin d'aller plus loin que les podcasts. C'est du format vidéo avec une présentation PDF que vous pourrez télécharger et vous pourrez y avoir accès à vie. Et comme ça, vous pouvez avancer à votre rythme sans contrainte. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer ce podcast sur l'entraînement donc des jeunes coureurs, cadets, juniors. On va peut-être aborder un petit peu l'entraînement pour les coureurs espoirs aussi. On va commencer par une première question. On a reçu pas mal de questions de coureurs, de jeunes coureurs, cadets, juniors, qui sont un petit peu perdus dans l'entraînement et qui nous posent des questions. On va commencer déjà par parler du volume d'entraînement pour les coureurs cadets. Déjà, est-ce que Rémi, par exemple, est-ce que tu aurais une expérience toi avec les coureurs cadets sur le volume d'entraînement? Alors concernant le volume, c'est quelque chose déjà d'assez important. Généralement, quand on parle d'entraînement, on parle souvent en kilomètres ou en volume horaire, à tort ou à raison. Mais c'est vrai qu'on aborde souvent la charge de travail par ce côté-là. Donc après, pour les cadets, je pense on peut se limiter à, on va dire, au maximum une dizaine d'heures par semaine en moyenne pour un coureur cadet qui va viser le haut niveau. Donc là, on est vraiment sur la fourchette haute. Après, concernant la fourchette basse, ça va dépendre évidemment de l'emploi du temps du cadet, de son expérience aussi dans le sport. Mais un minimum de 5 heures par semaine, ça me semble être un minimum. Après, je parle bien en volume moyen. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des semaines avec un volume pic supérieur et des semaines de récupération aussi avec un volume inférieur. Après, je voulais aussi rebondir là-dessus sur le fait qu'en France, on a peut-être tendance à avoir peur de mettre beaucoup de volume assez tôt chez les jeunes, alors qu'on voit que dans d'autres pays étrangers, donc on se limite un peu moins à ce niveau-là. Je pense notamment, alors ça me rappelle une interview que j'avais faite avec Simon Lhuillier, qui était qui est un entraîneur français qui a eu une expérience en Australie et qui me disait qu'ils avaient beaucoup plus de facilité à faire du volume, beaucoup de volume chez les jeunes, notamment à travers des sorties très cool. Voilà, il m'avait donné l'image du pique-nique qu'il pouvait embarquer pour aller jusqu'à l'océan, donc quelque chose de peut-être moins contraint, mais voilà, axé sur vraiment la basse intensité, mais aussi le plaisir. Et je pense aussi, alors là, ça va concerner davantage les juniors, mais j'ai vu des plans d'entraînement qui ont circulé à la British Cycling Academy, hein, il me semble que ça se nomme comme ça. Alors là, pour des juniors, mais avec des volumes, moi, qui me paraissaient beaucoup plus importants que ce que moi, j'avais l'habitude de voir en France. Donc voilà, juste pour dire que, à mon sens, il ne faut pas avoir peur de mettre un peu plus de volume, voire de prioriser le volume par rapport à l'intensité pour un public cadet. Et je terminerai là-dessus. Dernière chose, je repense au modèle aussi norvégien qui avait été raconté dans un article par Annel Aubry et qui, justement, rapportait que dans leur pays, ils avaient mis en place un volume horaire au niveau sportif assez important chez les jeunes, basé sur le plaisir et sur la pratique plutôt spontanée, mais que c'était quelque chose d'important et qui expliquait peut-être en partie la réussite des Norvégiens dans les sports d'endurance à très haut niveau actuellement. Ouais, ça ne m'étonne pas. Clairement, je pense que le volume d'entraînement, selon ma compréhension de la physiologie maintenant, avec tout ce qui est côté mitochondrie, tout ce qui est utilisation des graisses, utilisation du lactate, je pense que clairement, il y a un gros potentiel avec la basse intensité et que c'est pour moi un potentiel qui est presque illimité, quoi, comparé à l'intensité. On va être vite limité dans les progrès parce qu'on ne va pas pouvoir faire 6 fois, je sais pas, 6 fois, 10 fois, 30, 30. Il y a une limite, quoi. Il y a une limite comparée à l'intensité, je pense que, enfin au volume plutôt, au volume d'entraînement. Je pense qu'on a bien plus de marge de progression là-dessus. Donc, c'est une approche que j'aurais tendance à avoir aussi avec les cadets juniors, à condition d'avoir le temps, d'avoir toute l'organisation auto. Enfin, je pense qu'un coureur qui est vraiment isolé, peut-être ça peut être plus compliqué de faire des sorties longues. Est-ce que voilà, ça pose aussi des questions par rapport à l'entraînement au club, par rapport à tout ça. Je sais pas vous, votre expérience en tant qu'entraîneur pour placer des séances avec des cadets, mais je pense que c'est pas forcément évident de leur placer des séances longues. Ouais, S'ils sont un petit peu isolés.
Ça, le plus compliqué avec les jeunes, en fait, c'est de caler un programme par rapport à leur emploi du temps. Alors, quand tu as certains qui ont de la chance d'avoir les après-midi de libre ou d'avoir l'emploi du temps qui est très bien aménagé, c'est assez facile. Et pour ceux qui n'ont pas un emploi du temps aménagé, j'ai l'exemple d'un coureur, il termine tous les jours entre 16h30 et 17h. Donc, le mercredi après-midi n'est pas dispo. Donc, les sorties longues sont ultra compliquées à placer. L'avantage, c'est qu'il est vététiste et qu'il n'a pas un calendrier très exhaustif. Donc, du coup, à part les Coupes de France et les championnats, il a des week-ends assez libres. Donc, du coup, moi, de mon côté, par exemple, j'utilise les week-ends pour placer des sorties longues. Et bah, voilà, le reste de la semaine, c'est soit des sorties sur home trainer avec des intensités ou voilà, des sorties en extérieur, mais qui sont relativement courtes. Et donc, ça reste toujours pareil. Moi, de mon côté, je privilégie toujours le scolaire par rapport au côté vélo, ce qui est important. L'avenir, c'est ses études. Donc, du coup, à partir de là, j'imbrique mes entraînements par rapport à ses dispos à lui. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Maxime, par rapport au calendrier de compétition. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense qu'en France, on a tendance à trop courir. Et je pense qu'à l'âge-là, ça peut être intéressant de diminuer le volume des compétitions pour, au contraire, rajouter du volume d'entraînement. Surtout que quand on court le dimanche, par exemple, souvent, on a tendance à réaliser un petit déblocage le samedi ou une toute petite sortie, alors qu'on peut. Voilà, si on ne court pas en compétition, on peut aussi très bien réaliser deux belles sorties dans le week-end. Et d'ailleurs, en termes de charge d'entraînement et même de charge physique, mais mentale aussi, on va être quand même en deçà d'une compétition. Et deuxième chose que je rajouterai aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport au volume en semaine. À mon sens, peut-être qu'il vaut mieux garder une fréquence d'entraînement élevée, peut-être des sorties plus courtes, mais essayer de multiplier les activités physiques sans parler de sorties d'entraînement dans la semaine plutôt que de chercher à absolument faire des longues sorties. Ouais, c'est une bonne vision, ça, je pense, de voir le volume d'entraînement, le volume d'activité physique au global dans la semaine sans forcément penser aux longues sorties, même si je pense qu'elles ont leur intérêt, mais oui, peut-être pas jurer que en longue sortie. Après, je voulais revenir sur l'idée de la. Parce que là, on est toujours sur les coureurs cadets, et pour moi, au niveau des compétitions, j'aurais quand même plus tendance à favoriser la compétition à cet âge-là, parce que c'est ludique, c'est de l'apprentissage aussi pour eux, plutôt que de des fois faire le choix de l'entraînement. Alors ça dépend, je pense qu'il faut prendre par rapport voilà, la distance, par rapport à la course, le trajet qu'on va avoir en voiture, est-ce qu'on peut être accompagné, voilà, tout ce que de la logistique autour. Mais si on peut courir quand même, moi je pense que je ne me limiterai pas en cadet. Ouais, et ben, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que tu vois, tu te rends compte en KD1, KD2, tu as des grandes disparités de niveau du fait de la croissance de chacun. Et donc, du coup, un KD1 qui arrive face à un KD2 qui est déjà bien développé, qui roule déjà beaucoup, bah, qui court pour s'évaluer, oui, mais du coup, ça serait intéressant qu'il profite des week-ends où les courses sont loin pour s'entraîner. Parce qu'au final, s'il va tous les week-ends sur les courses avec un très faible niveau d'entraînement la semaine, bah, le schéma va jamais s'inverser, il va toujours subir les courses, il va être lâché. Au final, qu'est-ce qu'il risque? C'est d'être dégoûté, d'arrêter le vélo et de basculer sur un autre sport ou d'arrêter complètement le sport. Ça peut être ça à prendre en compte. Et donc, je rejoins aussi sur ce que tu disais, là, du côté distance. Quand les courses cadets durent 1h30 et qu'il y a 2 heures de trajet pour aller à la course, plus 2 heures de trajet, c'est ce que j'explique au coureur. Est-ce que c'est essentiel d'aller passer ton week-end plus de temps en voiture que sur ton vélo? Donc, c'est le côté culturel à faire comprendre qu'une course n'est pas forcément nécessaire chaque week-end. Ça, c'est compliqué parce que bah, ils se voient tous les week-ends ils veulent des photos pour mettre sur leur compte Instagram, ils voient les autres qui roulent, ils vont sur Strava, ça roule. Et le fait de rester un week-end à la maison, c'est compliqué. Ah ben, sur ce que vous dites, il y a quelque chose qui est intéressant, je pense, mais c'est la charge psychologique qu'il peut y avoir en compétition avec le stress qui l'accompagne. Et ça me fait à nouveau rebondir sur ce que m'avait raconté donc Simon Lhuillier donc par rapport à l'Australie, où il me disait que là-bas, enfin, une des choses qui l'avait marqué, c'est que en France, comparé à l'Australie, on était beaucoup plus axé sur le résultat et très tôt. Donc, il y avait quand même beaucoup de stress qui entourait la pratique sportive en général, on va beaucoup pousser les jeunes, inconsciemment ou consciemment, à faire des résultats, alors qu'ils disaient qu'en Australie, ils avaient d'ailleurs beaucoup de compétitions, mais c'était plutôt des critériums. Toutes les semaines, il y avait des critériums et ils y allaient, en fait, comme une séance d'entraînement. Ils prenaient leur sac à dos, ils allaient en vélo là-bas, ils allaient faire leur critérium et puis après, ils revenaient à vélo. Donc, c'est une approche complètement différente qui pourrait faire le lien peut-être entre vos deux visions, peut-être. Savoir, après on n'a pas ces critériums-là, mais savoir diminuer un peu la charge mentale
de la compétition en accordant plus d'importance au plaisir et peut-être moins d'importance aux résultats, en tout cas dans les jeunes catégories. Ouais, ça c'est intéressant. Bon, heureusement pour moi qu'il n'y avait pas que des critériums quand même en catégorie cadet. Je pense que j'aurais arrêté le vélo sinon. Mais ouais, non, c'est clair que voilà, la compétition comme un entraînement, je pense que c'est cool et on le ressent de toute façon quand on est sur les courses, que certains, voilà, y a une véritable pression d'être déjà, même chez les jeunes, sur le résultat. Donc, je Ouais, pense c'est que ça. ça pourrait que faire du bien. Et aussi à tout ce qui est pression, on va dire, autour des parents, des encadrants de club, pas forcément des entraîneurs, des éducateurs du club, qui jurent que par le résultat final. Tu fais une place dans le top 10, c'est super, tu as les félicitations. Tu fais toute la course devant, tu te fais reprendre, tu fais 30e. On va dire que tu n'as pas fait une belle course parce que tu n'as pas fait de résultat. Et c'est là où c'est pareil. On va dire, on est dans la culture de la place, de la placette. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, ça n'encourage pas le jeune à aller de l'avant. Moi, je préfère un petit cadet qui attaque, qui va devant, qui fait toute sa course devant, mais qui chope une fringale ou voilà, il se fait rattraper, est-ce qu'il est parti trop fort, etc. Et du coup, quand tu débriefes avec lui, tu essayes de lui apporter les informations pour qu'il ne reproduise plus cette erreur-là sur la gestion de l'effort. S'il a la fréquence cardiaque, s'il a par chance un capteur de puissance, tu peux analyser avec lui et lui amener ces informations-là. Et c'est ce que je dis toujours, en fait. L'expérience, c'est ce qu'on ne peut pas acheter ou ça s'apprend sur le terrain. Et là, en fait, en faisant ça, il se fait son expérience, il apprend. Et pour les catégories à venir, ça sera très, très intéressant de maîtriser déjà tous ces aspects. Ah ben là, je suis complètement d'accord avec toi, Maxime, et je pense que c'est vraiment, enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué, notamment chez les jeunes, mais en amateur, mais en professionnel, on retrouve ça aussi, mais c'est moins choquant. Mais c'est vrai qu'on va rapidement cataloguer un coureur par rapport aux résultats qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire que les résultats vont le définir en tant que personne, souvent, et les relations qu'on va avoir avec lui, idem. Hein, c'est quelqu'un qui a des résultats, on va plutôt. Chercher à avoir du relationnel avec lui, on va parfois essayer de s'accaparer un peu ses résultats, et même en tant qu'entraîneur, ça peut être un problème parce qu'on est jugé aussi parfois sur les résultats des coureurs qu'on peut entraîner. Donc je me comprends là-dedans, mais effectivement, je pense que c'est un vrai problème, notamment dans les catégories jeunes, ça concerne aussi les parents, bien sûr. Et savoir prendre un peu de recul et laisser un peu. De liberté aussi, et la liberté de ne pas être forcément toujours au top pour les jeunes, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, je te rejoins complètement aussi sur le fait d'apprendre beaucoup en étant acteur de la course et en n'étant pas obnubilé par le résultat final. Ouais, et puis il faut pas oublier que c'est des cadets, il faut qu'ils s'amusent. Ça reste leur sport, faut la notion de plaisir, elle est très très importante. C'est pas un élite ou un professionnel qui fait ça parce que l'élite veut passer pro ou le professionnel, c'est son job. Là, c'est différent, donc voilà, faut que le vélo reste plaisir et d'aller rouler doit rester du plaisir et un jeu. Ouais, ça me fait revenir sur le niveau. Tout à l'heure, voilà, tu parlais du cadet, enfin, en tout cas des différences de morphologie, et peut-être du cadet qui va plus subir la course qu'un autre. Et dans ce cas-là, c'est vrai que, si je n'y avais pas forcément pensé, mais bah, courir tous les week-ends pour un coureur pour qui la course elle est presque déjà finie après 10 km, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Et donc, je pense là-dessus, du coup, il y a des vraies différences à faire dans l'entraînement qu'on fait entre un coureur qui est largué dès le début de l'épreuve ou voilà, qui a peut-être un retard morphologique, il y a peut-être plein de choses qui expliquent ça. Et l'entraînement qu'on fait pour un coureur qui gagne. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je courais avec Hugo Page notamment, qui gagnait 30 courses par an en minime. Je crois qu'il gagnait ouais, minime 1, minime 2, minime KD1, KD2, il gagnait 30 courses par an, quoi. Donc, est-ce qu'on l'entraîne pareil qu'un coureur qui est lâché dès le début, tu vois, je pense pas. Non, mais c'est ça. Et il suffit, tu vois. Pardon Rémi, je te coupe la parole. J'ai vu que tu voulais parler. Ah, non, Et tu vois, excuse, vas-y, vas-y, termine. ça rejoint où en fait, tu as des éducateurs de club qui, par chance, ils ont un coureur qui est très bon dans leur regroupement. Et du coup, il applique aux autres ce qu'il fait faire au meilleur. Et du coup, en fait, il ne prend pas en compte le niveau de chacun. Et lui, il se dit, bah non, mais c'est les jeunes, ils ne sont pas bons parce que, bah, tu vois, lui, ça marche tous les week-ends, il gagne. Tu n'as qu'à faire pareil. Et voilà, on est dans cette logique-là. Et on n'individualise pas alors que c'est une catégorie qu'on va dire. Je dirais pas charnière, mais si on peut déjà leur apprendre les bonnes habitudes, les bonnes bases, rien que des notions d'intensité, etc. Pour eux, après, c'est tout bénef pour les années à venir parce qu'ils vont comprendre un peu comment bien organiser leur entraînement et la progression, elle sera beaucoup plus facile que vas-y, va rouler, va rouler, va rouler, va rouler, on verra bien ce que ça donne dimanche. Bah, enfin, ce que vous dites, ça me fait penser, je crois que c'est sur Twitter que j'ai vu passer ça, Stéphane Seiler qui
disait la différence entre l'entraînement d'un adulte et l'entraînement d'un enfant, et que après, quand on est en cadet, on est un peu entre les deux mondes, mais que voilà, pour apprendre un enfant, on pourrait l'étendre peut-être à l'adolescence, même si ça va en diminuant, mais que c'est important d'avoir le jeu. Et donc, c'est quand même des entraînements qui potentiellement sont complètement différents entre un coureur junior, espoir, élite, et un coureur minime cadet. Je pense que ça, c'est très important, et notamment en ce moment, j'avais ce débat-là avec Joseph Berlin-Simon de la FDJ continentale sur tous ces entraîneurs maintenant ou ces coureurs cadets qui sont suivis à l'entraînement comme avant pouvaient l'être des juniors. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? On n'était pas capable d'apporter une réponse à cette question, mais je pense que c'est malgré tout, c'est une question qui se pose, et dans quelques années, on verra peut-être si finalement avoir un entraînement très structuré et avec un entraîneur quelque part individuel, est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'au final c'est plutôt une mauvaise chose à l'âge-là? Peut-être que ça dépend aussi du profil du coureur et de comment voilà comment il est comment il est entouré aussi. Moi, pour reprendre mon expérience, j'étais assez isolé dans mon département, dans le petit coin où j'étais. Il n'y avait pas trop d'autres coureurs, donc j'étais rapidement à m'entraîner tout seul. Et dans ce cas-là, avoir un entraînement, ouais, j'ai eu un entraîneur en KD2, donc ça m'a permis d'avoir tout de suite quelque chose d'un peu structuré, parce que bah, si on est tout seul, c'est vite quand même un entraînement qui est. On ne sait pas forcément quoi faire. Donc, au moins, avoir un entraîneur, je pense, dans ce cas-là, ça avait du sens. Mais un coureur qui est encadré et qui sait qu'il va rouler toujours avec du monde, il roulera toujours avec ses potes toute la semaine et la veille de course. Ben, voilà, peut-être que lui, il va faire ses intensités naturellement, il va faire ses séances longues naturellement. Il a peut-être besoin de quelqu'un qui va le superviser, mais peut-être pas quelqu'un qui va lui donner des exercices à faire, par exemple, quoi. Oui, c'est ça, moi je te rejoins complètement, Mathieu. Moi j'entraîne, tu vois, que des cadets quand ils sont isolés, on va dire. J'aime pas prendre un cadet qui est dans un club où il y a des entraînements la semaine, etc. Ça veut dire qu'il va s'exclure du groupe, alors que c'est important le côté social. Il va s'exclure d'avoir peut-être quelqu'un qui maîtrise le voir pédaler, lui donner des conseils sur le vélo avec lui. Et ça, c'est vachement important. Moi, c'est ce que je ne peux pas faire, je le vois pas tous les jours. Alors qu'en cadet, tu vois, moi je sais que une des choses que je regarde principalement, c'est la vélocité. Sachant qu'aujourd'hui, on a la libéralisation des braquets. Donc, ce que j'ai pas envie, c'est de voir un cadet qui soit 52-11 toute la sortie et qui rentre avec 70 tours minute, parce que dans tous les cas, il n'aura jamais la vélocité. Et quand on sait que puissance, c'est le ratio force-vélocité, je préfère qu'il prenne les bonnes habitudes. Donc, ok, on a le retour des datas, mais d'avoir quelqu'un à côté qui juge, qui le regarde, qui lui apporte des choses, je trouve ça un élément essentiel à cette catégorie-là. Donc, moi, c'est ce que je dis, je pose toujours les questions. J'essaye de comprendre, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il a quelqu'un dans son club qui lui explique, etc. Et quand tu as les parents qui t'appellent, qui disent, bah non, mais en fait, on est dans un club familial, c'est que des anciens, c'est parce que papa est dans ce club-là depuis des années, et en fait, ils sont deux cadets, ils sont tout seuls. Bon, voilà, là, il n'y a, on va, entre guillemets, pas le choix de contribuer. Mais quand ils sont dans un gros club où c'est structuré, il y a un entraîneur qui a un diplôme ou pas, mais qui a envie d'entraîner, là, j'interviens pas. En tout cas, je pense que le métier d'entraîneur n'est pas du tout le même si on s'occupe d'un élite ou d'un espoir, voire d'un junior, et si on s'occupe d'un minime ou d'un cadet. Je pense que vraiment, c'est presque deux métiers différents. En tout cas, c'est deux approches qui, à mon sens, doivent être différentes. Et je rebondis sur ce que tu disais avec l'entraînement de club. À côté de chez moi, bah, il y a l'Amicale Cycliste Bisontine, il y a quand même des très bons coureurs qui sortent de cette structure. Presque tous les ans, ou en tout cas très régulièrement. Et c'est vrai qu'ils ont des entraîneurs dans les catégories jeunes qui, à mon sens, font un super travail où il y a, mais c'est plus axé sur le collectif avec des conseils quand même individuels. Voilà, peut-être une part un peu moins importante d'individualisation, une part un peu plus importante de collectif et de jeu, peut-être. En tout cas, c'est un modèle qui semble plutôt bien fonctionner, et moi qui me correspond assez bien en tant que, avec une vue extérieure en tant qu'entraîneur. Ouais, pour moi, de mon côté, si on regarde les catégories jeunes, on va dire minime cadet, on est plus dans entraînement, formation. On explique un peu, le jeune découvre un peu ce que c'est les courses. Si le cadet a de la chance d'aller sur une manche Madio, il arrive sur une course au départ avec 150 coureurs. Voilà, il va découvrir un peu le monde des grosses compétitions. Et après, il court sur des courses départementales ou locales ou régionales. Il n'y a pas énormément de monde, etc. Ça reste les mêmes courses. Quand on approche la catégorie junior, là, on passe plutôt sur l'entraînement perfectionnement. Où là, il a l'habitude de courir, c'est des plus grosses courses, etc. Où il y a plein d'impondérables qui vont participer à la performance. Alors qu'en cadet, voilà, si déjà le coureur, il faut qu'il apprenne à s'alimenter, gérer son braquet, etc. En junior, il sait déjà faire tout ça. Donc, on n'accepte plus l'entraînement de la même manière.
Et une dernière chose, enfin une dernière chose peut-être, mais que je rajouterai sur l'entraînement cadet, c'est vraiment la dimension aussi technico-tactique, mais technique surtout. Et avec la pluridisciplinarité, je pense que c'est important de pousser les jeunes vers des disciplines comme la piste, le cyclocross, bon, éventuellement le BMX. Mais je pense, enfin en tout cas, moi je suis un entraîneur qui est très focus sur, qui suis très focus sur, sur l'entraînement physique avec des publics plus âgés. Mais à mon sens, avec des jeunes, il y a une autre approche à avoir et on voit bien des fois dans les catégories élites qu'on peut avoir certains manques au niveau technique et que c'est beaucoup plus dur à corriger. Et donc avoir cette approche plus multidisciplinaire, découverte et puis surtout axée sur aussi un entraînement technique, je pense que c'est très important chez les jeunes. Ouais, là-dessus, bah, ça me fait penser aussi à tout ce qui est bah, s'affronter avec des gros pelotons. Notamment, là, Maxime a parlé des maillots, des manches maillots notamment. Bon, moi, je peux parler de mon expérience. Hein, je n'ai pas d'expérience d'entraîneur des cadets. Donc, voilà, moi, je sais que j'ai commencé à faire des maillots. J'étais en KD1. Et vraiment, j'ai ressenti la différence par rapport à ceux qu'on n'ont pas fait en KD1 parce que c'était pas leur niveau. Mais voilà, ils se disaient, bon, bah, je le ferai plus tard. Dès qu'ils ont voulu s'y frotter en KD2, qu'ils avaient un meilleur niveau, le problème c'est que bah, tout de suite la limitation en fait c'était le peloton parce qu'ils n'avaient jamais couru avec un peloton de plus de 40 coureurs, quoi. Donc je pense que c'est important, même si c'est un peu dur, d'aller se frotter avec les gros pelotons pour voir ce que c'est, voir ce que c'est une course en ligne, voir ce que c'est l'échelon court avec les voitures, ça peut. C'est ça, Tout ça, c'est plein de choses à apprendre. c'est l'emmagasine, on emmagasine de l'expérience qui fait que voilà, il faut découvrir ça pour faire un meilleur résultat. Alors c'est sûr, il y a des athlètes qui sont exceptionnels, qui première course, si tu veux les mettre là-dessus, qu'ils soient 50 au départ ou 200, ça ne changera pas leur course. Ils ont cette faculté-là d'être performants. Mais pour d'autres, voilà, un coureur qui stresse et tout facilement, il arrive au départ, il se retrouve dans le milieu du peloton, il tourne la tête, il voit qu'il y a 50 mecs devant lui, 50 à gauche, 50 à droite, 50 derrière, on est 200. Voilà, le coup de stress, tu regardes le cardio au départ, il est déjà au max, etc. Et la course n'a pas encore commencé. Donc voilà, c'est ça l'entraînement, on ne peut pas le reproduire. Donc c'est important de découvrir tout ça pour que voilà, tu arrives en junior sur une première junior fédérale, tu te dis, bon, voilà, j'ai déjà fait 3-4 courses comme ça, je sais globalement comment ça se passe, le placement, etc. Ça aide. C'est côté technique, tactique, gestion de l'effort, alimentation. Voilà, c'est tous ces trucs-là qui sont importants d'avoir vu pour ensuite progresser. Ouais, et puis même pour un coureur cadet, c'est important aussi d'aller faire ces courses-là. Je sais que bah, il commence à y avoir quelques sélections, déjà une sélection régionale pour le championnat de France notamment. Je sais que voilà, les grosses courses, tout de suite, ça a quand même de la valeur hein, pour aller Ah ouais, puis décrocher des après, sélections. tu as aussi la Coupe de France des départements où il y a 3 ou 4 manches avec souvent un chrono individuel, une manche piste. Donc voilà, c'est des petites choses. Ça permet de découvrir un niveau et de sortir un petit peu de son habitude de courir avec tous les mêmes coureurs tous les week-ends. Ouais, je sais que ça peut être vite frustrant hein, pour les coureurs cadets de courir avec les mêmes toujours. Enfin, on est vite marqué. Ah, c'est ça. C'est ça. Tu gagnes la course du week-end dernier, la course suivante, tout le monde est dans ta roue, donc les autres vont partir. Mais comme toi, tu n'as pas bougé, personne ne bouge. Donc voilà, les schémas de course sont différents. Mais le fait de varier, de rencontrer différentes choses, de changer de département, changer de région, permet d'apprendre à courir. Qu'est-ce que vous pensez aussi, je ne sais pas si ça se fait toujours, je pense, mais de surclasser les cadets. Moi, je sais que je l'avais fait, de courir en deuxième caté quand j'étais cadet. Et ça, il y avait beaucoup d'avis divergents. Moi, il y avait ceux qui disaient, ah, c'est bien, et ceux qui disaient, oh là là, c'est n'importe quoi, ils vont se cramer, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors personnellement, moi, j'ai plutôt un avis positif là-dessus. Voilà, c'est sûr que c'est une situation particulière, mais un cadet qui écrase tout dans sa catégorie, ben, c'est quand même bien qu'il aille se confronter à une autre population pour un peu plus subir la course aussi. Ça, par contre, je l'ai souvent vu, des coureurs qui sont dominants dans les catégories jeunes, quand d'un coup, ils se retrouvent dominé par d'autres, psychologiquement c'est difficile et physiquement ça peut s'effondrer. Et voilà, j'ai l'exemple d'un coureur en tête que je nommerai pas, mais qui était extrêmement fort chez les cadets. Dans la catégorie au-dessus, il était très fort quand d'un coup il était parmi les plus forts de la course et il était capable là, de faire mal à tout le monde et il se transcendait. Par contre, quand il était un ton en dessous, il prenait un coup au moral et il se retrouvait très vite voilà, en fond de classement. Donc pour cette raison, moi je suis plutôt. Pour apprendre l'adversité, je suis plutôt positif par rapport à ça. Et de mémoire pour le surclassement des cadets, c'est que quand, je crois que c'est autorisé que quand le coureur est sélectionné pour aller au championnat de France.
Ouais, c'était ça, ouais. C'est Ouais, ça. moi j'allais. Du coup, on va dire que c'est les meilleurs régionaux qui sont autorisés. Et je trouve que ça peut être intéressant, en sachant que tu te dis, voilà, c'est une compétition, mais ça peut être aussi une grosse séance d'entraînement. Donc oui, ça peut être intéressant pour préparer, en sachant que l'ensemble des cadets qui sont championnats de France auront eu le droit à cette dérogation. Donc voilà, on est sur un niveau d'équité. Par contre, c'est sûr que tu as un cadet qui va courir tous les week-ends en junior ou en 2-3, il revient sur des courses cadets de 60 km, voilà, et les autres ne font pas ce type de course. Là, il y a une disparité de... Il y a une disparité d'égalité, on va dire. C'est qu'il y en a un qui fait des courses plus dures tous les week-ends et les autres qui courent et lui, il arrive sur une course qui est, entre guillemets, plus facile. Ouais, mais moi, du coup, ce qui s'était passé, c'est que j'avais pas mal couru, du coup, le championnat de France devait être au mois d'août, un truc comme ça, ou début août, je sais plus exactement, et tout couru, tout le mois de juillet à courir en deuxième KT, et le championnat de France était super bien passé, mais après, j'étais cramé, quoi. Est-ce que c'était à cause de ça? Est-ce que, je sais pas, mais la fin de saison avait été difficile, hein. Le mois de septembre, je me souviens que ça a été long. Donc, est-ce que c'était à cause de ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'avait bien plu, et je me souviens que. Bah voilà, d'avoir vu ça, d'avoir vu les courses en deuxième KT, ça m'avait plu aussi parce que en KD, bon, ça peut être vite un petit peu lassant si quand on marche un petit peu, justement, qu'on est tout le monde qui nous observe, c'est qu'on n'est pas une grosse liberté, ça peut être vite frustrant et de voir les courses deuxième KT. Moi, je sais que ça m'avait plu et je me suis dit, ah bon, bah, ça va quoi, le meilleur est à venir. Ouais, non, mais c'est, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, après, c'est à prendre en compte en tant qu'entraîneur de répartir bien les intensités, les charges d'entraînement, de bien prendre en compte tout ça. Et donc on peut peut-être parler maintenant de la transition justement de cadet à junior, comment on l'a fait. Alors bah, je sais que si je reprends encore mon expérience d'avoir couru en deuxième cadet quand j'étais cadet, bon, c'était un super avantage parce que je me souviens que les autres cadets étaient vachement stressés du passage en junior. Beaucoup me demandaient oh, ça se passe comment, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on peut suivre et tout. Et donc je sais que ça stresse quand même beaucoup les coureurs. Comment vous abordez ce passage? Alors moi personnellement pour ce passage, bon j'ai envie de dire ça se fait un peu naturellement, hein, les charges d'entraînement de toute façon augmentent, hein, au cours de l'hiver généralement, en tout cas en préparation. Donc en plus avec la croissance, le coureur progresse, hein, généralement entre les deux catégories. Et après, ben oui, il va être confronté à ce point d'interrogation, est-ce que je vais suivre, est-ce que je vais pas suivre? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Bon bah ben, ça c'est voilà, j'ai envie de dire c'est un passage obligé. Et puis à mon sens, il n'y a pas grand-chose à faire de particulier à ce niveau-là, si ce n'est tester sur certaines séances plus difficiles en amont des compétitions pour vraiment le rassurer ou au contraire se rendre compte qu'il y a encore un peu de travail et puis lui dire, bah, voilà, le prévenir que ça risque d'être difficile au début. Mais voilà, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a un apprentissage à faire. Il y en a qui vont faire plus très rapidement, d'autres qui ça va être un peu plus de temps. Ouais, c'est on va dire, je pense, entre cadet junior, c'est peut-être aussi difficile que junior espoir de passer de coureur junior à coureur élite. Mais le plus gros point à travailler, on va dire, c'est les kilomètres de course où tu passes de 60 km à sur des courses de 110, 120, 130, 140 km. Voilà, ça fait un gros gap à passer. Et là, ça rejoint un peu avec ce que Rémi disait tout à l'heure, le fait de faire du volume chez les cadets. Le fait de rouler longtemps, ce qui permet déjà de passer un peu ce cap-là, de profiter de l'hiver pour faire du fond, mais du vrai fond, pas du fond où on a fait 3 heures de tempo qui ne sert à rien, mais de la vraie endurance pour travailler tout ce qui est mitochondrie, etc. Et vraiment de passer ce cap-là, de dire, bon, ben voilà, je sais tenir la distance. Et en course, après, ça devait venir, ça ne change pas un peu le schéma de course, juste le fait qu'elle est plus longue. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte, c'est ultra, ultra important. Et souvent, on se rend compte que voilà, le junior a un peu de mal au début, et quand on regarde son suivi, bah, il n'a pas fait beaucoup de sorties parce qu'on lui a dit, t'es junior, faut pas trop en faire. Mais si tu fais que des sorties de 3 heures sur des courses qui durent 3 heures, c'est compliqué, quoi. Ça roule plus vite, la distance, tu ne l'as pas. Donc voilà, c'est faire du volume. Et ça reste la base du vélo, rouler, mais bien rouler. Justement, on parle de volume. Je pense que ça peut être intéressant de spécifier un peu le volume qu'on peut attendre dans les rangs juniors. Donc après, il y a junior 1 et junior 2, forcément, c'est pas deux catégories différentes, mais c'est deux âges différents quand même. Moi, personnellement, pour aiguiller un peu, en tout cas pour donner mon avis aux autres entraîneurs et aux coureurs, j'irai sur un volume moyen, encore une fois, entre 8 heures et 14 heures par semaine maximum quand on est en junior 2 et que vraiment on est parmi les meilleurs et parmi ceux qui roulent le plus. Mais voilà, je pense que ça peut être une base intéressante, terminée.
on va dire un peu au-delà des 10 000 km par an. Là aussi, c'est une référence qu'on utilise souvent quand on est coureur, donc plutôt entre 12 000 et 16 000 pour ceux, encore une fois, qui roulent le plus. Je pense que c'est une base intéressante. Et à partir de là, on peut s'imaginer un peu l'hiver qu'on a à faire ou la préparation qu'on a à faire un peu avant les premières courses. Je sais pas ce Ouais, que vous en pensez, parce que peut-être que vous avez une vision différente, hein, des choses. moi je réfléchissais à ça sur qu'est-ce que j'avais pu faire, et c'est vrai que le volume d'entraînement, je pense que c'est important, mais c'est important aussi qu'il soit bien contrôlé. Moi je repense notamment, j'avais pas de capteur de puissance à l'époque, et je pense que je faisais mes séances trop intenses, hein. Clairement, à cet âge-là. Bah surtout, même si j'avais un entraîneur, finalement, il n'avait pas tellement de recul. Il y avait pas, on faisait avec un Excel. Alors, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, mais non, c'était il n'y a pas si longtemps pourtant. Mais du coup, ouais, je pense qu'il n'y avait pas autant de suivi là-dessus, même si tu vois, le suivi de la fréquence cardiaque, ça aurait pu suffire. Mais du coup, avec le Excel, je crois pas que mon entraîneur regardait la fréquence cardiaque à cette époque-là. Et donc, je pense que là, c'est important de soit bien éduqué là-dessus, sur l'allure qu'on doit avoir sur les sorties de basse intensité pour bien récupérer, parce que bah là, la récupération, clairement, à partir de cet âge-là, c'est super important, entre là, les courses cadets et les courses juniors. Il y a quand même une grosse différence, et au final, on se rend compte que la semaine, avec les cours et tout ça, l'important surtout, ça sera de bien récupérer pour être prêt pour le week-end prochain. Donc, je pense, au niveau du volume d'entraînement, je pense que c'est bien, et voilà, entre 8, 10, voire plus, même ça. Voilà, pour un KD1, un junior 1 plutôt, voilà, une dizaine d'heures, je pense que c'est très bien. Pour un junior 2, je pense qu'on peut quand même viser plus. Mais en tout cas, un volume d'entraînement qui soit assez bien contrôlé, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, on reste dans les mêmes logiques de contrôler le volume d'entraînement, contrôler les entraînements, tout en adaptant en fonction de l'emploi du temps. Il y a des juniors 2 qui arrivent, ils sont en début de fac, tu vois, s'ils ont sauté une classe, etc. Donc, il y en a, ils ont plus de temps pour rouler, d'autres moins de temps. Voilà, toujours à prendre en compte et faire en fonction pour que le coureur puisse aussi assimiler les charges d'entraînement en plus des charges scolaires. Admettons, s'il se lève tous les jours à 6 h pour prendre le bus, il est plus fatigué que celui qui se lève à 8 h 15 pour aller en cours à 9 h parce que le lycée est à côté de chez lui et il peut y aller à pied. Donc il y a ça à en prendre en compte. Non, mais ça, c'est quelque chose de primordial à mon sens, et vous avez bien fait d'insister là-dessus, mais sur le contrôle de l'entraînement. Parce qu'effectivement, on peut faire 10 heures de vélo par semaine, et si on les fait un peu au tempo, comme on le faisait traditionnellement, hein, il y a encore quelques années, c'est sûr qu'on peut aller très vite droit dans le mur. Alors que si à l'inverse, et ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir beaucoup de basse intensité, donc généralement, on est à 2 à 3 séances qualitatives. C'est déjà le maximum dans la semaine, à mon sens, hein. Et à côté que de la basse intensité, voilà, c'est déjà très différent pour encaisser le volume d'entraînement. Et donc, faire et ça, Maxime l'a déjà dit, faire les séances d'endurance vraiment en endurance, ça va changer énormément de choses. Et je pense qu'on a été aussi beaucoup là-dedans quand on disait, ah, faut faire attention, faut préserver les jeunes, pas en faire trop en termes de volume. Et forcément, si on a l'expérience de personnes qui roulaient beaucoup et qui roulaient fort à l'entraînement, forcément, ça pouvait devenir très vite problématique, et on a pu peut-être trop rapidement incriminer le volume alors que c'était peut-être au niveau de l'intensité qu'il y avait un problème. Ouais, je pense que ça vient de là, t'as sûrement soulevé le problème. C'est que, en fait, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition et que beaucoup roulaient, mais roulaient trop fort. Et en fait, ils se sont dit, ah bah tu vois, moi quand j'étais junior, Stom, il faisait des semaines de 12-13 heures. Ah non, mais ça m'a cramé. Au final, c'est quoi qui l'a cramé? C'est de faire 13 heures ou c'est de faire 10 heures au tempo? Et je pense qu'il y a vraiment ça où tu ne contrôlais pas l'intensité. Pendant un moment, on a parlé beaucoup de moyenne. J'ai déjà entendu, si je rentre en dessous de 30-31, en période printemps-été, c'est pas une bonne sortie, je suis frustré, c'est pas un vrai entraînement. Et voilà, alors Moi, aujourd'hui. c'était si je rentre pas en dessous de 30-31 et pas avec un ou deux coms, sinon Ouais, c'est ça. Et là, quand ouais, je vois aujourd'hui, bon, bah, Strava, ça aide pas parce qu'ils regardent les autres qui roulent, ils se disent, ah, bah, tu as vu, il a fait 32 de moyenne. Mais si le junior a un capteur de puissance et que tu définis un peu ses zones d'entraînement et que tu te rends compte qu'il rentre et qu'il a fait 3 heures limite en zone de haut tempo, bah, tu peux lui dire, tu vois, c'est un peu limite. Et la fois d'après, il rentre avec 26-27, il a pile poil dans la zone endurance. Et je lui dis, mais débranche de la vitesse moyenne, on s'en fout, c'est pas ça qui te fait progresser. Ah bah ça c'est super important. Et un autre truc qui aussi est très important, c'est que depuis, finalement, ça fait peu de temps qu'on sait ça, enfin il me semble, hein, mais
Au début, on pensait que plus on était fatigué, en tout cas moi quand j'ai commencé à entraîner, et puis le vélo, j'avais beaucoup ça en tête et j'entendais beaucoup ça en tête, il faut se fatiguer extrêmement et récupérer pour après être très fort. Donc plus on était fatigué, quelque part on pouvait faire ce raccourci-là, plus on allait progresser derrière. Donc bon, déjà il y a la récupération à prendre en compte, mais aussi maintenant on se rend compte que si on atteint un certain niveau de fatigue, et même si on récupère derrière, on ne va pas forcément davantage progresser, parce qu'on aura été trop fatigué au bout d'un moment. Donc le fait de contrôler son entraînement, c'est une chose importante, et de contrôler son niveau de fatigue pour gérer justement les charges d'entraînement, mais ça peut venir, la fatigue peut venir du vélo, mais elle peut venir aussi, comme l'a dit Maxime, des cours à côté, de la vie sociale, voilà, de la vie personnelle. Donc je pense que c'est très important d'être capable de détecter les moments de fatigue, et quand il y a de la fatigue, de dire, bah voilà, on va baisser un peu l'intensité, le volume aussi peut-être, et comme ça passe beaucoup mieux à l'échelle d'une saison et de plusieurs saisons. Ouais, c'est ça. Moi, bon, je fais un petit teasing sur la formation que je prépare sur le monitoring de la charge d'entraînement. Mais Bannister, en 75, il avait commencé déjà à montrer un modèle entre surcharge d'entraînement et récupération. Et le fait que, voilà, il y a des limites à atteindre, mais il faut avoir quand même un équilibre entre cette balance-là de surcharge et de récupération. Et qu'inversement, si on met beaucoup trop de surcharge et très peu de récup, ben, on va droit dans le mur, le niveau de perf il baisse, ça peut aller jusqu'à la blessure. Et inversement, si on met beaucoup trop de récup par rapport à la charge d'entraînement, bah, le coureur, il va pas progresser, il va garder son niveau. Et donc voilà, c'est toujours le même principe de surcharge, équilibre d'entraînement. Donc voilà, ça reste pareil. Mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'ajuster plus qu'à l'époque. À l'époque, moi j'ai commencé, j'avais fait un Google Drive en ligne avec mes coureurs. Voilà, je récupérais pas les fichiers, hein, c'était juste le RPE et la FC moyenne, la cadence. Comment tu veux un peu décrypter toute la séance en ayant juste une variable? C'est ça qui est compliqué, hein. Donc, il peut faire 3 heures, il fait 2 heures à se balader, la dernière heure, c'est course, il roule à bloc avec des potes. Si je rentre, il rentre et sa moyenne, elle est dans la moyenne de FC Endurance. Il va me dire qu'il a fait une séance Endurance et d'ailleurs, je peux pas lui dire, attends, t'as fait n'importe quoi. Maintenant, il est dans les clous. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, Nolio, Intervals, toutes trois plateformes permettent de collecter les données en instant T sans rien faire et ça permet à l'entraîneur de venir ajuster et corriger l'entraînement. Et c'est là où tu peux. Tu expliques, tu envoies une impression d'écran, tu essayes de débriefer, tu continues la formation du coureur. Et pour le coureur qui a vraiment des ambitions à plus long terme, peut-être de passer pro notamment, est-ce que comment vous allez approcher l'entraînement? Est-ce que vous auriez tendance à avoir une approche un peu conservative, c'est les jeunes, en cas des juniors, et puis d'essayer de tout miser pour la suite parce que ça sera les années espoirs ou juniors qui seront vraiment clés, ou est-ce que bon, on essaie déjà de performer en cadet junior et puis ça sera déjà important. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, moi, j'ai tendance à respecter le rythme de l'athlète, en fait. Donc, sans savoir, enfin, au-delà de ses objectifs même personnels, mais à un moment donné, est-ce qu'il est capable d'encaisser les charges que je lui donne à ce moment-là ou pas? Et ça va déterminer en fait énormément de choses. Et donc, je me mets pas nécessairement de limites. Après, je vais pas être. Peut-être que j'ai tendance à être un peu trop conservateur, mais ouais, je vais plutôt orienter l'entraînement selon les feedbacks que le coureur va me faire, et puis des données que moi je vais pouvoir recueillir. Donc c'est plutôt comme ça que je vais orienter les charges d'entraînement. Et après, un coureur qui a un gros potentiel, il va naturellement émerger. Et après, on peut avoir aussi un gros potentiel. Et dans l'année, par exemple, de junior 1 ou de junior 2, avec l'année du bac, je ne sais pas quoi, bah ça. On peut ne pas réunir les conditions optimales pour s'exprimer. Donc là, peut-être être un peu en deçà. Et puis son potentiel, il l'exprimera plus tard quand il aura l'occasion d'encaisser les charges d'entraînement. Voilà, là, je fais juste une petite parenthèse, mais j'ai souvenir d'un coureur qui est passé professionnel, qui est actuellement chez les professionnels. Il est passé tard, il a dû passer à 24-25 ans. Bah, il avait même arrêté le vélo à un moment donné parce qu'il s'était consacré aux études. Il est ingénieur aussi maintenant. Et pourtant, il a commencé à augmenter les charges d'entraînement à partir de je sais pas, je sais plus, c'était peut-être 23 ans, 22, 23 ans. Et il est passé pro parce qu'il avait le potentiel. Donc, à des moments, ne pas forcément griller les étapes, même si j'admets qu'actuellement, c'est peut-être plus difficile de passer pro plus tard parce que maintenant, on va chercher la pépite très, très jeune. Et ça, je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose. Mais moi, je pense que le potentiel, à un moment donné, il va se révéler aussi de lui-même. Ah, je te rejoins. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner
un junior, qu'il y a junior 1 et junior 2, qui a eu, tu vois, un junior 1 sur, une, sur des premières courses élite, 1, 2, 3 junior, il va faire 3, tu vois, donc un bon moteur. Je l'avais rencontré à la Fédé, il n'avait pas d'entraîneur, capteur de puissance, il ne savait pas quoi faire, un petit peu perdu. Et voilà, en fait, en respectant ses heures de cours, en profitant des vacances scolaires, etc., il a fait une bonne saison en J2. Bon, en France, il était passé un petit peu à travers, mais il a dû gagner une ou deux fédérales, il fait top 10 sur la Bernodeau, etc., tu vois. Et je me souviens, je ne m'étais pas forcément fixé. Peut-être, tu vois, je débutais. Je débutais vraiment dans l'entraînement de manière professionnelle et je pense que je me freinais sur le côté volume où j'avais encore en tête, n'en fais pas trop. Shorté de master, voilà les grands principes d'entraînement, il ne faut pas en faire trop, il est junior 1, junior 2. Et je me dis qu'en fait, on aurait pu augmenter le volume pendant ses vacances en roulant moins fort. Et je bossais encore un peu avec les zones, l'échelle des I, et je pense qu'en plus, mon endurance, elle était faite un peu de manière trop forte, du coup, parce que je me basais sur la PMA. Donc, du coup, voilà, ça remonte, hein, c'est il y a déjà 5-6 ans. Mais voilà, je sais que j'aurais pu faire des autres choses différentes et que j'aurais peut-être pu gérer sa charge d'entraînement différente, mais ça fonctionnait assez bien parce que je faisais attention à la répartition de ses intensités, j'échangeais avec lui pour bien comprendre sa fatigue et jusqu'où on peut aller. Et surtout, je lui expliquais que là, par exemple, on était dans une grosse, grosse semaine de charge. J'étais honnête avec lui en disant que ça allait être une semaine compliquée, qu'elle allait être dure et c'était le but. Et lui, son retour me permettait d'ajuster la semaine suivante. Est-ce qu'il était vraiment trop cramé? Après, il avait des notions, il faisait le job, comme on dit, il allait coucher tôt, tous les trucs de récup, on va dire, il maîtrisait. Mais ouais, voilà, je pense qu'il faut vraiment adapter au cas par cas, être à l'écoute. Et eux, même eux, ils sont dans les prémices de découvrir les sensations, etc. Donc, pour eux, au début, n'importe quelle séance qui, pour nous, peut nous paraître très dure, il va te dire « Oh, elle est facile. Ça y est, il a eu des bonnes sensations pour lui. Oh, la séance, elle est facile. » Alors qu'en réalité, elle est dure, mais ils sont un petit peu euphoriques. Surtout quand ils ont des bonnes sensations, ils sentent pas les pédales. Ça y est, toutes les séances que tu leur donnes sont faciles. Ou au contraire, ils veulent pas décevoir l'entraîneur. Donc, la séance, elle peut être archi dure. Lui va te dire « Non, mais… elle est facile ta séance, et la fois d'après, tu en mets plus, et c'est toujours pareil, c'est leur faire comprendre voilà, que tu n'es pas là pour les juger, tu es plutôt là pour les accompagner. Donc, cette relation-là, elle est très importante, et on a besoin de ce feedback pour les faire progresser. Et moi, maintenant, avec le recul, je pense qu'un capteur de puissance, quand même, c'est un bon outil pour les juniors. Moi, j'avais pas investi en junior parce que je pensais que ce n'était pas forcément nécessaire, mais ouais, je pense que finalement, ça aura apporté des choses intéressantes. Et même pour voir l'évolution, les performances, un capteur de puissance, ça reste quand même un bon outil pour savoir comment on progresse. Et sur le long terme, j'aurais bien aimé avoir mes données de junior. Et ouais, ouais, même pour tout ce qui est calibration d'entraînement. Même gestion rien que la gestion de l'effort. Tu fais des efforts solitaires, tu te rends compte que beaucoup ont tendance à partir trop fort. Et à la fin, c'est sauf qui peut. Tu vois les courbes qui s'inversent, le cardio qui monte. Qui plafonne et tu vois la puissance qui diminue. Et en fait, là, grâce à ça, tu peux ajuster, tu peux dire, bah, tu vois, tu serais parti sur une puissance ne serait-ce 30 watts en moins, tu aurais pu tenir et ta course aurait été différente, etc. Et c'est un outil, voilà, tu as le cardio, mais s'il ne te fait pas un retour complet de la course, tu ne la visualises pas, alors qu'avec les watts, tu vois clairement, s'il fait 20 minutes à bloc, les données, la courbe de watts le montre aussi. Donc, c'est important et ça permet d'avoir un retour. Tu vois, t'envoies, moi, je sais ce que je fais. Je ne le fais pas forcément à toute course, mais en fonction du débrief du coureur, je regarde les watts, hop, j'envoie l'impression d'écran, je fais un petit encadré. En VTT, par exemple, je le fais aussi. Quand il y a 4 tours et tu te rends compte qu'il est parti beaucoup trop fort et qu'il éclate, tu regardes en fait que la puissance autour, elle est en chute libre et qu'il perd des places. Bah oui, c'est logique en fait. Alors que la fois d'après, tu corriges, il part un peu moins fort et il arrive à maintenir cette puissance-là. Il bat son record sur une heure. Tu vois, ça permet d'ajuster. Ouais, puis c'est grisant aussi parce que bon, en junior, son progrès aussi. Normalement, on est quand même censé progresser relativement facilement, en tout cas plus facilement que plus tard quand on est déjà bien installé. Donc, ça peut être sympa de voir la progression et motivant. Des fois aussi, je pense, parce qu'on ne voit pas forcément la progression sur les courses, ça peut arriver de stagner un petit peu dans les résultats ou en tout cas de ne pas avoir les résultats attendus. Et d'avoir le capteur de puissance derrière qui peut nous dire que, bah, on progresse, que nos perfs, elles sont bonnes, ça peut aussi mettre le coureur en confiance, quoi. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important d'avoir un capteur de puissance des juniors. On a mis du temps à venir à ça parce qu'au début, et comme à chaque fois, on se dit « Ah, c'est trop tôt, c'est pas bien ». Mais avant ça, il y avait le cardiofréquencemètre. Après ça, et ça, Mathieu, tu connais bien, il y aura peut-être le capteur de lactatémie qui va se démocratiser.
à chaque fois, peut-être plus en France, ça je ne sais pas, mais peut-être. En tout cas, on a tendance à dire c'est trop tôt. Alors qu'au final, c'est qu'un outil et c'est plus l'approche qu'on peut en avoir qui va déterminer certaines choses. Donc, oui, moi je suis complètement pour le capteur de puissance. Et je voulais aussi dire justement et insister là-dessus, en junior, c'est quand même le moment où, à mon sens, il est important de vraiment cadrer les choses et d'avoir un entraînement très qualitatif, parce qu'on sait aussi que physiquement, physiologiquement, c'est là que se développent beaucoup de choses, notamment la VO2 max, qui va après déterminer en partie les performances en endurance, les performances futures. La VO2 max va stagner ensuite quand on va rentrer chez les espoirs et puis un peu plus tard en étant adulte. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié où, à mon sens, il faut mettre beaucoup de choses en pratique pour avoir un entraînement très qualitatif et aussi peut-être quantitatif. Et le capteur de puissance doit aider justement à aller dans ce sens-là. Non, non, je te rejoins sur tout ce que tu dis là, sur l'utilisation des outils. Et voilà, c'est peut-être français ou je ne sais pas, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, les capteurs de puissance sont de moins en moins chers. Une paire de pédales, c'est 600 €. Les manivelles stage, elles doivent être à 300 €. Donc voilà, ça devient de plus en plus accessible. Mais de l'autre côté, en fait, tu as les clubs où tous les anciens, voilà, ils lèvent les panneaux non à la puissance. Là, chez les pros, ils te disent non à l'oreillette, etc. Mais. C'est un peu le même discours qu'à l'époque avec les voitures. Personne ne voulait l'électronique, pas de GPS embarqué, etc. Aujourd'hui, tu as plus de trois quarts des véhicules en circulation. Ils ont tous un GPS ou le Bluetooth, etc. Plein d'électronique. Les gens n'ont pas le choix, ils s'y sont mis. Alors pourquoi au vélo, en fait, on devrait rester à ce qui se faisait il y a 15 ans pendant que d'autres nations ou d'autres pays utilisent ces outils à bon escient? Tu vois, c'est ça, je me rends compte. Et je reviens de Guyane, et en fait, voilà, on me parlait encore. Bah voilà, bah pourquoi vous voulez des capteurs de puissance? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la formation ou la connaissance, mais je leur explique que c'est un outil, rien que personnellement, mon premier capteur de puissance, je l'ai eu à 18 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui, donc j'ai déjà des données, j'ai du recul. Et si je prends vos voitures aujourd'hui, vous avez tous de l'électronique embarquée, alors qu'il y a 10 ans, tout le monde disait, oh non, pas d'électronique si ça tombe en panne, etc. Et aujourd'hui, vos concessionnaires, vous y allez, si vous demandez une voiture sans électronique, il n'en a pas, il ne vous en vendra pas. Et donc vous l'achetez quand même. Et au final, vous l'utilisez, ces outils-là. Donc voilà, c'est faire comprendre l'intérêt. C'est pas du gadget. C'est pas juste un petit truc en plus que tu affiches sur ton compteur et qui ne sert à rien. C'est un outil de travail. Ouais, est-ce que vous avez voilà, des erreurs que vous avez vues, qu'on peut revenir. Je ne vous ai pas posé cette question pour les cadets, mais ça peut aussi très bien aller pour les cadets et les juniors. Quelles seraient les erreurs à ne pas faire dans ces catégories? Alors, bah, les erreurs à ne pas faire, on en a déjà évoqué quelques-unes, hein. C'est déjà de rouler trop fort à l'entraînement, surtout en endurance. C'est de vouloir griller les étapes. Ça, c'est voilà, de vouloir aller plus vite que son rythme personnel. Ça, c'est aussi important. Je rajouterai à ça la pression du résultat. Je pense que c'est important de se détacher du résultat pour s'engager un processus sur le long terme, hein, parce que sinon ça peut être vite compliqué si on attache trop d'importance au résultat du week-end. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et voilà, je me limiterai à ça, même si j'imagine qu'il y a d'autres choses qui vont venir à l'esprit entre-temps. Ouais, moi, je rajouterais deux points qui pour moi sont importants. C'est la gestion du braquet. Éviter de tirer gros à toutes les séances. Aujourd'hui, on a les braquets libres. Ils ont les braquets libres. Moi, c'était 54 en cadet. Donc, ça va obligé de tourner les jambes quand tu roules vite. Mais aujourd'hui, ils ont le droit au braquet qu'ils souhaitent. Donc, du coup, si c'est pour mettre des 52-11 et qu'ils terminent la course avec 70 tours minute, ne pas savoir relancer ni rien, pour moi, c'est un point important. Et deuxième point, se détacher des professionnels. Voilà, certains cadets juniors, voilà, aujourd'hui, ils vont sur Strava, ils voient les séances de tout le monde, il y a de tout. Mais il faut pas qu'ils oublient qu'ils ne sont pas professionnels, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le background du coureur. Et les pros sont passés par leur âge aussi, ils ne roulaient pas comme un professionnel. Et ce n'est pas parce que Van der Poel fait 3 jours de 200 bornes qu'en cadet, tu dois aller faire 3 jours de 200 bornes parce que tu seras aussi fort que lui. Et non, c'est bien de se détacher de tout ça. Aujourd'hui, on a accès à l'information, et peut-être trop d'informations. Tu vas sur Strava, tu peux voir tout ce que les pros font. Et on va dire à un jeune qui est pro d'un coureur, ah voilà, il va dire, bah, je vais faire pareil, je vais devenir pro, je vais faire pareil que lui. Et je pense que ça sera plutôt contre-productif que productif.
Et il y a quelque chose qui rejoint un peu ce que tu dis, enfin dans, parce que la comparaison, ça va amener des comportements, ça peut amener des comportements un peu contre-productifs, voire déviants. Et il y a quelque chose quand même de très important, c'est les problématiques liées à l'anorexie, parce qu'on sait que dans les sports d'endurance, on peut rapidement tomber dedans. Et j'en parlais avec un ex-coureur professionnel encore il y a peu. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est très, très importante et il faut faire vraiment attention parce que chez les juniors, en plus, il y a souvent en France, je sais ça plus qu'ailleurs, mais il y a le culte de l'affûtage, d'être léger pour être performant, alors qu'on sait qu'en plus, en cas des juniors, il faut beaucoup manger pour apporter au métabolisme et puis pour la croissance. Donc à un moment donné, si on va commencer à jouer au plus affûté en junior, alors là, ça peut être une catastrophe déjà sportive, mais après une catastrophe humaine si vraiment on tombe dans l'anorexie. Et ça rejoint l'anorexie d'un côté, mais il y a le surentraînement aussi de l'autre. C'est voilà, quand on est dans des comportements extrêmes, il faut faire très attention, il faut vraiment se respecter et essayer de ne pas toujours se comparer parce que ça peut mettre beaucoup de pression et ça peut nous faire dévier de la bonne trajectoire rapidement. Ouais, c'est super important ce que tu dis, Rémi, là. Et moi, je rajouterais dans les erreurs qui pourraient être faites chez les cadets ou juniors, en tout cas, là, plus spécifiquement chez les juniors, ça va être encore sur la nutrition, mais de négliger la nutrition de l'effort cette fois. Alors, il y a la nutrition autour de l'effort qui va être super importante, c'est sûr, pour les cadets et les juniors, pour bien assimiler l'entraînement. Comme tu dis, il faut pas hésiter à bien se nourrir, mais encore plus pendant l'effort. Et bon, la petite promo personnelle, c'est une formation sur la nutrition pendant l'effort, allez jeter un oeil, c'est le premier lien dans la description. Mais plus sérieusement, non, je pense que c'est vraiment important. En junior, on arrive sur des courses qui font tout de suite 120 km, voire un peu plus. Là, avec un coureur, je prépare la classique des Alpes, bah voilà, je lui dis, il y a 130 km. La course, ça se fait à 35-36 de moyenne. Donc, ça va être plus de 4 heures d'effort. Donc, un peu moins de 4 heures d'effort plutôt. Et voilà, la nutrition de l'effort, bah, c'est super important. Enfin, en tout cas, toutes les courses de plus de 3 heures, c'est archi, archi important. Et clairement pas négligeable. Et quand j'en discute avec les coureurs, ça vous est sûrement déjà arrivé si vous discutez un petit peu de nutrition de l'effort, mais c'est clairement négligé. Il y a une ou deux pâtes de fruits, il y a un gel en fin de course, ou des fois il n'y a même pas de gel, du tout de stratégie de nutrition. Il y a un petit peu des fois certaines équipes, certaines ententes, ce genre de choses, des fois ils peuvent apporter du ravitaillement, et dans ce cas-là, on peut juste se servir dans ce que l'équipe amène, et on est dépendant de ce qu'ils amènent, et voilà, on ne fait pas vraiment notre propre choix. Donc je pense que vraiment c'est super important d'éduquer au moins là-dessus, vraiment chez les plus jeunes, et ça peut vraiment faire une grosse grosse différence sur la performance. Enfin moi je me souviens quand je courais en junior, qu'ils faisaient des défaillances, voilà, dès qu'on passe les 100 bornes. Enfin moi je savais, même dès qu'on passait les 80, les 60-80 km, je savais que la course c'était plus pareil. Hein. C'est plus les mêmes personnes qu'on voit qui sont là au début, et ceux qu'on voit en fin de course, c'est pas les mêmes. Et je pense que la nutrition de l'effort a fait la différence. Moi j'ai la chance de pas m'être trop loupé là-dessus. Chez les jeunes, et je pense que ça a fait de la différence sur les courses longues. Ouais, moi par contre, tu vois, c'est l'inverse. Combien de courses j'ai terminé où j'avais pris plein de trucs dans les poches et si j'avais mangé un tube et une barre, tu vois, c'était. Si je terminais avec mes deux bidons vides, c'est qu'il avait vraiment fait chaud. Hein. Sinon, moi, je terminais la course sans borne, j'avais un bidon de vide. J'avais pas bu parce que voilà, toute la course, t'es dans les roues, tu fais un peu la course, tu bois, mais tu ressens pas le besoin de boire. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est des erreurs, que les apports glucidiques sont ultra importants. Et je me disais, bah non, mais c'est bon, je fais pas d'effort. Mais voilà, c'est aussi apporter de la compréhension et. C'est peut-être aussi au rôle d'entraîneur ou des éducateurs. Après, c'est compliqué, les éducateurs, ce n'est pas leur job, mais nous, en tant qu'entraîneur, d'expliquer ça et de mobiliser le coureur à ce type de pratique. Bah moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, c'est la première fois que j'ai entraîné un junior. Là, j'en ai qu'un seul, et c'est la première question que je lui ai posée. Hein. Est-ce que tu manges pendant l'effort? Et il m'a dit qu'il prenait pas de gel, qu'il prenait une pâte de fruits, une ou deux pâtes de fruits pour des nationales juniors de 120 km. Donc, malheureusement, je l'ai pris un petit peu tôt par rapport à la classique des Alpes, et ça va être. Voilà, j'ai essayé de bien travailler ça à l'entraînement, mais voilà, en un mois quand même, bon, c'est un peu chaud de rattraper le retard qu'il y a eu, d'éducation, et de voilà, quand on passe de tout à rien, même voilà, c'est pas facile de bien faire comprendre ça à tout ça aux coureurs, et même de s'y adapter physiologiquement, parce qu'au niveau de l'intestin, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du gut training, notamment de l'entraînement de l'intestin, des transporteurs du glucose, il y a tout un tas de choses, et ça s'improvise pas en tout cas. Pour finir, on peut peut-être se poser deux trois questions sur les coureurs espoirs aussi pour finir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour cette catégorie de coureurs. C'est la dernière catégorie jeune, on va dire, même si voilà, c'est des coureurs qui ont plus de 18 ans.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura quelque chose à adapter spécifiquement à l'entraînement pour eux? Après, pour moi, c'est clairement la continuité de Junior, hein, déjà. Après, ce qu'on va adapter, un coureur espoir, c'est un coureur élite, hein. Maintenant, voilà, la différence, elle n'existe quasiment plus. Après, moi, j'aurais tendance à aller vers un entraînement peut-être plus axé vers les seuils. En tout cas, la VO2 max, c'est vrai que c'est important de la stimuler quand on est chez les juniors, donc des efforts autour de PMA notamment. On peut la stimuler de manière différente aussi, hein. Mais quand on avance dans l'âge, on va plutôt gagner au niveau des seuils et donc aller peut-être essayer de stimuler davantage certaines intensités. J'en parlais avec, encore une fois, Joseph Berlin-Simon de la FDJ Continental. Il y a une interview de lui, donc je trahis aucun secret sur le Pape Info, où justement il disait ça, que les juniors, les espoirs 1 et 2, ils étaient plus axés encore. Si je dis pas de bêtises, hein, mais sur des intensités plus proches de PMA, et qu'après ils allaient surtout chercher en espoir 3 et 4 à travailler sur les seuils et donc sur des efforts un peu plus longs dits d'endurance. Ouais, pour moi, de mon côté, c'est la continuité, mais ça dépend de quel coureur va se retrouver. Quelle catégorie, pardon. S'il reste en deuxième catégorie ou troisième catégorie, c'est le même schéma que les juniors. On reste sur cette continuité-là, progressivité. Par contre, si de junior il passe à élite, voilà, là on passe encore un palier supplémentaire et pareil, il faut continuer à travailler l'endurance, le niveau des courses, la stratégie nutritionnelle qui sera encore plus importante sur des élites qui peuvent aller jusqu'à 180, 200 bornes. Voilà, c'est tous ces aspects-là encore à peaufiner, mais s'il reste en deuxième ou troisième catégorie, le schéma de course ne changera pas. Il court déjà tous les week-ends sur ce type de course-là, donc en fonction de ce qu'il fait à côté, l'objectif de passer élite, etc. Il y aura différentes stratégies au niveau de l'entraînement, mais sinon ça reste de manière générale un peu la même chose. Ouais, c'est clair, non, je pense le passage élite il peut être un petit peu difficile, hein. C'est clair que ça peut faire drôle, hein, quand même entre junior et élite, il y a une vraie marche, donc faut être progressif et savoir que ça va être difficile, faut être préparé à ça mentalement, à ce qu'il y ait peut-être une ou deux années un peu difficiles, voire plus, hein. Des fois peut-être qu'on fera jamais la marche, on passera jamais la marche élite, hein, ça c'est possible, donc ouais, je pense qu'il y a, ouais, j'ai pas forcément grand-chose d'autre à rajouter sur les coureurs espoirs et peut-être être bien encadré à ce moment-là, être voilà, dans une équipe qui s'investit, qui nous permet de courir, qui nous permet aussi de s'entraîner, hein, pas trop non plus, on l'a déjà répété, hein, mais voilà, tout miser sur les courses, notamment les courses élites, ça peut être des courses qui peuvent être vachement, vachement fatigantes. Donc si on court tous les week-ends pour un espoir 1, un espoir 2, trop courir en élite aussi, je pense que ça peut vite arriver, ça peut vite poser problème, même au niveau de la motivation. Ça, je l'ai vu beaucoup, des coureurs qui vont débarquer chez les élites, ils vont se rendre compte que c'est trop dur et au final, ils vont arrêter le vélo super rapidement, quoi. Alors qu'ils auraient fait le passage peut-être plus progressivement, en espoir 3, en espoir 4, ça se trouve, ils auraient fait la transition et voilà, alors que malheureusement, ils ont arrêté le vélo en espoir 1 ou 2, quoi. Donc, être progressif, savoir que ça va être difficile, mais sinon, après, ça peut bien se passer. Ouais, c'est ça, je te rejoins complètement. Bah, merci les gars, on va s'arrêter là-dessus. C'était probablement un des derniers épisodes aussi, hein, sous ce format-là. Vous nous avez fait quelques retours, comme quoi c'était un peu moins intéressant que quand on avait un invité, qu'on creusait véritablement le sujet voilà, avec une seule personne, donc on est en deux avec l'invité. Donc on va essayer de revenir à ce format-là pour les prochains épisodes. Et donc voilà, peut-être qu'on refera encore des petits podcasts comme ça, tous les trois. On verra, mais c'est probable que ça change pour les prochains épisodes. Voilà, merci les gars, à bientôt. Salut. Merci, ciao.